Ce matin, je suis content de vous voir, je suis content de pouvoir être virtuellement dans votre vie pour vous encourager, vous exhorter dans les voies du Seigneur. Dans notre texte biblique de cette semaine, dans le psaume 73, on avait des questions à considérer cette semaine pour un peu nous préparer pour la prédication de ce matin. Et donc, les quelques questions, la première, c'est qui était Asaph et quel était son rôle en Israël? Puis on apprend dans différents passages de l'Ancien Testament que le rédacteur du psaume 73, c'était un chef d'orchestre en Israël. C'était le grand chant qui avait été établi par David pour diriger le culte de Dieu. Lorsqu'il y avait toutes les classes de chant qui avaient été établies, David avait demandé à Asaph d'être là pour pouvoir diriger le culte. Donc c'est quelqu'un d'important en Israël, puis c'est quelqu'un nécessairement qui allait avoir un impact sur l'adoration du peuple de Dieu dans les voies du Seigneur. La deuxième question, c'est pourquoi Asaph était-il affecté dans sa marche avec Dieu? On va le voir dans le texte biblique ce matin, et peut-être vous l'avez déjà considéré pendant la semaine, mais c'était évident que Asaph regardait les gens autour de lui, qu'il considérait les personnes en Israël qui ne marchaient pas dans les voies de Dieu, et nécessairement qui ne se soumettaient pas à la loi de Dieu. Puis il les regardait, puis il voyait comment est-ce qu'ils avaient du succès, comment est-ce qu'ils avaient du bonheur. Puis comme plusieurs des prophètes dans l'Ancien Testament qui étaient confus à cet égard, ils se demandaient pourquoi est-ce que Dieu permettait cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur laissait ces gens-là qui étaient impies dans leur vie, qui ne faisaient aucun cas de sa volonté, avoir tant de succès au milieu de son peuple? Puis donc, c'était ça qui troublait Asaph. Puis quelle était la solution que Dieu lui a révélée alors qu'il s'est approché de la personne de Dieu, alors qu'il cherchait à comprendre les voies de Dieu? Il a saisi finalement que Dieu leur permettait cela sur la terre, mais qu'un jour ils allaient mourir et il y allait y avoir des conséquences après cette vie de leur impiété, puis il allait avoir un salaire à leur péché. Puis là, ça leur remis les choses en perspective. C'est pas seulement sur cette terre que notre vie est importante, c'est aussi l'impact que ça va avoir sur l'éternité. Puis là, ça doit consoler Asaph, comme on va le voir ce matin. Aussi pour l'Église baptiste du Mont-Berger, juste quelques annonces. La ville de Drummondville a dit cette semaine, donc jusqu'à présent, c'est les dernières consignes qu'on a cette fois-là au niveau municipal. La ville a dit qu'elle ne permettrait pas des rencontres publiques avant le 23 juin. Donc, ça veut dire qu'avant la Saint-Jean, on ne devrait pas avoir de réunion d'église. C'est très loin, mais encore une fois, on ne sait pas si ça va se produire à ce moment-là. Peut-être qu'ils visaient avoir au moins cette ouverture pour la Saint-Jean, mais il y a déjà d'autres villes qui ont déterminé qu'il n'aurait pas d'activité pendant l'été jusqu'au mois d'août, vers la fin août. Donc peut-être que ça va changer, c'est à venir, on va voir. Aussi, je vous encourage, si vous pouvez envoyer vos finances pour soutenir le ministère, les choses continuent quand même, les besoins sont quand même là. Mais encore une fois, c'est selon ce que vous voulez. Et aussi selon nécessairement la direction du Seigneur dans votre vie. N'oubliez pas de prier pour les missionnaires, les ouvriers qui sont soutenus par les églises, qui sont à temps plein soutenus par les églises. C'est un temps qui va peut-être être difficile et prions vraiment que le Seigneur puisse diriger à travers tout cela, les guider et pourvoir. Puis nécessairement, continuons à prier les uns pour les autres, à vraiment porter les fardeaux les uns des autres pour la gloire de Dieu. Donc, bonjour à tous ce matin. Je suis content que vous preniez ce temps pour venir vous joindre à nous et avoir cette communion mutuelle, virtuelle, mais cette communion mutuelle autour de la parole de Dieu en ce dimanche de Pâques qui célèbre la résurrection de notre Sauveur, sa victoire sur la mort qui ouvre la porte pour notre victoire aussi sur la mort. Et cette semaine, un ministère à Saint-Augustin, Gabriel, attendez son nom, je suis désolé. Tessier, merci. Et son équipe ont préparé un beau chant. Et je voulais juste le faire jouer pour qu'on puisse se disposer spirituellement à la parole de Dieu nécessairement, mais surtout
à cette œuvre merveilleuse de notre Sauveur. Donc, on va écouter ça ensemble. Seigneur, pour ses beaux talents, merci pour ce ministère de Gabriel et son équipe et ces belles productions qu'ils font pour la gloire de Dieu. Et maintenant, pour le message de la parole de Dieu. Vous est-il déjà arrivé d'être mal à l'aise en face de certaines personnes inconverties que vous côtoyez? Vous est-il arrivé de vivre des douleurs personnelles à cause de ceux qui ne connaissent pas votre Sauveur? Alors que vous considérez leur vie de tous les jours, alors que vous apprenez concernant leur succès, même si Dieu ne fait pas partie de leur vie, alors qu'ils rejettent votre foi et qu'ils blasphèment le Seigneur de leur bouche, et pourtant ils semblent si heureux sur la terre. Cherchez avec moi, s'il vous plaît, le psaume 73. Vous n'êtes pas seul à vivre ces difficultés. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce malaise dans votre cœur. Ici, dans le psaume 73, on apprend ce matin concernant un bon disciple du Seigneur qui la vivait difficilement, cette relation avec les non-sauvés, qui était de plus en plus troublé par le bonheur des méchants. Examinons ensemble le mal-être du croyant. Le mal-être du croyant. Et chacun de nous, on peut expérimenter des temps de sensibilité dans notre vie, alors qu'on considère les gens qui se détournent de Dieu et de son évangile. Et ici, on a un exemple d'un homme qui a exprimé cela, poussé par l'Esprit de Dieu, et nous aide à comprendre ce qu'il a vécu et comment Dieu lui a permis de sortir de ce mal-être. Je pensais cette semaine à un jeune homme que j'ai côtoyé il y a bien des années de cela. Un jeune homme qui faisait partie d'une équipe de jeunes qui était très actif pour les activités de notre église locale.
Et lorsqu'on avait la journée de la Bible, il venait avec tous ces autres jeunes-là, on montait des chapiteaux, puis on organisait des sports, puis on faisait toutes sortes d'activités. Il y avait des conférenciers qui venaient, des prédicateurs invités. On avait la parole de Dieu qui était prêchée toute la semaine. Et il faisait ça de bon cœur pour servir son Sauveur. Et un soir, alors qu'il avait eu de la bonne communion fraternelle, qu'il était rentré un peu tard, il est revenu à la maison et la personne de sa famille qui était présente, une inconvertie, lui a vraiment rentré dedans. Lui a vraiment tombé dessus parce qu'elle lui a dit « Écoute, tu es toujours en train de faire des activités d'église, tu es toujours parti, tu es toujours en train de t'occuper de ces choses-là qui sont vaines, qui font partie d'une secte. » Puis il me racontait comment est-ce qu'il a été beaucoup blessé dans son cœur. Il a dit, j'ai cherché à servir le Seigneur, j'ai cherché à vraiment être utile envers l'Église locale, puis être une bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Puis là, je reviens à la maison, puis j'ai cette personne-là d'inconverti qui ne comprend absolument pas pourquoi est-ce que je fais ça, puis qui n'arrête pas de me talonner continuellement avec cette idée-là de mon service chrétien. Il dit, je suis vraiment là à bout. Je suis vraiment là, découragé par tout ce que je peux vivre. Puis comme lui, des fois, ça peut arriver. Regardez dans le psaume 73, comment est-ce que ce serviteur du Seigneur-là a vécu ça à partir du verset 1. On nous dit, psaume d'Asaph. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, ça finit bien, puis il avait compris la leçon. Mais remarquez avec moi dans l'expérience d'Asaph l'erreur de regarder à l'homme. L'erreur de regarder à l'homme. L'erreur de marcher par la vue
plutôt que par la foi, selon les instructions de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul avait spécifié que le chrétien devait marcher toute sa vie, il devait marcher par la foi et non par la vue. Nous devons marcher, frères et sœurs, par la foi et non par la vue. C'est une erreur de se concentrer sur la vie des gens de ce monde, plutôt que de considérer la vie selon la révélation de Dieu. C'est un piège que de s'arrêter à l'expérience heureuse de l'homme impie sur cette terre. C'est trompeur et séducteur au point de nous faire tordre notre perspective de ce qui se passe réellement dans la vie de ces gens. Dans Jérémie 17, au verset 9, on nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est possible dans notre cœur d'être tortueux quant à la perspective de ces gens-là, de s'éloigner de la révélation de Dieu. Et Dieu nous dit de faire bien attention. Regardez dans l'expérience d'Azaph, encore une fois au verset 1. Le psaume 73 au verset 1. On nous dit, psaume d'Azaph, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Donc oui, j'ai compris la leçon. Je veux vous raconter ses œuvres et ce qu'il a fait dans ma vie. Mais regardez le contexte de ce que j'ai expérimenté. Il dit au verset 2, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Puis voyez comment sa perspective était inexacte. C'était rendu tortueux, c'était rendu croche, c'était pas la réalité. Il dit, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le restant des hommes, comme moi. Ce que je vis, eux, ils ne le vivent pas. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent ces méchants-là et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils ont une influence puissante sur cette terre. Dans leur iniquité, dans leur succès malsain, ils influencent les autres. Ils avalent l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu serait-il puisqu'il n'agit pas dans la vie de ces gens? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Puis quand on se concentre sur ces gens-là, puis quand on ne les voit pas avec la perspective de la foi, quand on ne réalise pas les réalités spirituelles dans leur vie, alors notre perspective peut être faussée. Et Azaph devait grandir et comprendre la réalité sur ces choses. Une jeune femme de 18 ans a entendu l'Évangile pour la première fois de sa vie. C'était la première fois qu'elle entendait le message, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et la parole de Dieu. Puis elle a ouvert son cœur, puis elle s'est tournée vers le Seigneur Jésus, elle s'est repentie de ses péchés, elle l'a invité à venir prendre ses péchés et à lui donner la vie éternelle. Et lorsqu'elle a fait cela, elle a reçu la joie et la paix, cette nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Puis elle est revenue auprès de sa famille, elle est revenue dans sa maison. Puis elle était toute contente de pouvoir partager ça avec sa famille. Mais malheureusement, sa famille inconvertie n'était pas du tout contente. Elle était tellement fermée qu'elle lui a dit, « Si c'est le cas, puis que tu es rentré dans une secte et que tu es rentré dans une église évangélique, si c'est le cas, fais tes bagages et va-t'en. » Puis à l'âge de 18 ans, cette jeune dame qui venait juste d'être sauvée, qui ne comprenait pas grand-chose, qui ne comprenait pas nécessairement les réalités spirituelles de l'enfant de Dieu, qui avait entendu concernant le fait qu'elle devait suivre maintenant le Seigneur par sa vie, était très confuse. Elle était blessée. Elle était troublée. Elle était attristée parce qu'elle aimait sa famille. Puis elle aimait ses parents. Puis elle les respectait beaucoup.
Puis finalement, elle est partie, elle est déménagée chez des chrétiens, puis elle a habité avec eux pendant un certain temps. Mais c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas, comme chrétien, remettre en question la vérité à cause des inconvertis. Il ne faut pas nous détourner de notre engagement au Seigneur à cause de ceux qui le rejettent. Il ne faut pas trébucher en voyant le bonheur de ceux qui se moquent de Dieu. Surtout, il ne faut pas oublier, puis on va revenir à ça dans un instant, mais il ne faut pas oublier que la mort et la fin de cette vie est le vrai test du genre de vie qu'on aura vécu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après notre vie, vient le jugement. Puis comme j'ai dit, on va revenir à cela, mais l'expérience de l'homme sur cette vie ne garantit pas son statut auprès de Dieu, ne garantit pas la réalité dans sa vie personnelle. Puis je pensais cette semaine à cet homme riche-là qui avait vécu, d'après Luc chapitre 16, une vie extraordinaire. Il avait vécu toute la joie que pouvaient lui donner ses richesses. Puis il y avait un pauvre homme qui s'appelait Lazare, puis lui, il était malade, il était seul, il était un mendiant. Puis quand on quitte la scène de cette terre pour s'en aller dans l'éternité, on voit que la réalité était totalement différente. Puis en tant que chrétien, il faut se rappeler de cela. Mais à chaque mois, le livre des Proverbes nous exhorte à avoir cette bonne perspective concernant les non-sauvés. Dans Proverbes chapitre 23, verset 17, on nous dit « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » C'est ce qu'Asaph a fait, n'est-ce pas? Il a envié, il était jaloux, il s'est comparé à eux. Oh, les circonstances de sa vie, peut-être les revirements dans son quotidien, leur succès. Mais la Bible nous dit, ne regarde pas à ces gens-là pour commencer à les envier, mais au contraire, tu devrais avoir une crainte ou un respect profond pour Dieu. Tu devrais regarder au Seigneur, tu devrais suivre ses voies, tu devrais marcher avec lui quotidiennement. Puis avoir la bonne perspective des choses. Dans Proverbes 24, au verset 1, on nous dit « Ne porte pas envie aux méchants et ne désire pas être avec eux. » Dieu nous encourage, encore une fois, à ne pas faire ce choix-là dans notre vie. « Ne t'irrite pas, on nous dit, à cause de ceux qui font le mal. » Dans le psaume 38, on développe cela, la possibilité de s'irriter, la possibilité d'être affecté par les gens méchants dans notre société. On nous dit, ne t'irrite pas, laisse entre les mains de Dieu. À cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Et malheureusement, c'est ce qu'Asaph a fait pendant un temps de faiblesse. C'est ce qu'il a fait avec un certain égarement spirituel dans sa vie, alors qu'il s'est détourné de la bonne perspective. La prospérité des méchants et les afflictions des justes avaient tenté le psalmiste Asaph de remettre en question les agissements de son Dieu. Ça l'avait troublé, ça l'avait affecté dans sa confiance dans le Seigneur, au point qu'Asaph avait fait l'erreur même de regretter son salut. De regretter son salut. Là, j'utilise des termes chrétiens nécessairement, parce que Asaph, c'était dans l'Ancien Testament, mais il avait regretté ses choix spirituels, il avait regretté même la purification de son cœur. L'erreur de penser que tous nos troubles sont à cause de notre foi et notre marche avec le Seigneur. L'erreur de conclure que la vie du croyant ne peut jamais être heureuse et bénie sur cette terre. Que nous sommes voués au chagrin et à la misère en comparaison avec ceux qui ont tout dans ce monde. Et pourtant, le Seigneur Jésus a bien dit concernant ses brebis qu'il était venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, qu'elle soit grandement bénie de Dieu. Regardez au verset 13 comment Asaph avait fait cette erreur. Au verset 13, ça dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. » Dans les termes chrétiens, c'est donc en vain que j'ai accepté le Seigneur. C'est donc en vain, c'est inutile, ça n'a aucune valeur, aucun avantage pour moi d'être venu à la croix du calvaire, d'avoir été sauvé. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Remarquez encore, c'est en vain, chaque jour, tous les matins. Mon châtiment est là.
Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Un commentateur fait ressortir le dilemme du cœur d'Asaph et dit « Le psalmiste contraste la justice et la méchanceté dans la société d'Israël. » Il commence par résumer comment Dieu est bon. Il raconte ensuite sa quasi-ruine à cause de sa fixation sur la prospérité des méchants. Après avoir observé que les malfaiteurs profitent des fruits de leur méchanceté sans punition ici-bas sur la terre, le psalmiste exprime sa désillusion, déclarant qu'il semble qu'il a inutilement suivi la voie de Dieu. Et encore là, c'est ça le danger, frères et sœurs. C'est ça le danger de regarder les gens sans la perspective biblique. C'est ça le danger de regarder notre propre vie sans considérer le plan de Dieu. Plus en tant que chrétien on regarde par la vue, plus on va être trompé dans notre cœur. Plus on va remettre en question nos décisions spirituelles et plus nous risquons même de nous détourner de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux en tant que chrétien. Cessons de regarder les hommes. Cessons de considérer les hommes, puis regardons au Seigneur, puis regardons sa volonté. Les Écritures nous mettent en garde que ça peut aller jusqu'à se détourner de la foi. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12, ça dit « Prenez garde, veillez sur vos cœurs, veillez sur vous-même, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Dieu nous dit « C'est possible. » En regardant le monde autour de nous, c'est possible, en regardant les célébrités, puis en regardant les personnes qu'on va côtoyer peut-être à cause des médias, de penser, mais franchement, eux, ils sont heureux. Eux, ils ont tout sur cette terre. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme eux? Paul le dit à Timothée, il le dit, viens au plus tôt vers moi. Timothée, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'un chrétien fidèle dans ma vie. Pourquoi? Car Démas, un couvrier dans l'Évangile, m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour se livrer au monde. Il est parti pour cette grande ville-là pour pouvoir rechercher les plaisirs que les autres personnes sur cette terre ont. Puis il y a un danger que, comme Démas, on peut se détourner de la volonté de Dieu. On peut cesser de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Je lisais cette semaine concernant Mark Twain. Puis Mark Twain, c'est un écrivain célèbre aux États-Unis. Il a fait toutes sortes de choses, un activiste. Il était très, très célèbre aux États-Unis. Puis un jour, Mark Twain, lorsqu'il était jeune, a rencontré une jeune dame qui l'a beaucoup étonné. C'était une jeune dame, c'était une chrétienne qui était très joyeuse dans le Seigneur, qui aimait beaucoup les choses spirituelles, puis elle allait à l'église, elle servait le Seigneur, tout ça. Puis là, il a vu cela dans la vie de cette jeune dame-là, puis ça l'a séduit parce qu'il disait « Wow, c'est une femme qui est gentille, c'est une femme qui est polie, c'est une femme qui est modeste. » Puis là, il lui a demandé s'il pouvait se fréquenter. Puis elle voyait bien que c'était, il semblait pas être un chrétien. Quoi qu'elle dise, je vais aller à l'église avec toi, puis je vais lire la Bible avec toi, puis c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Puis même ses parents, voyant un peu la notoriété de Mark Twain, et comment c'était un homme qui semblait fort et fiable, l'ont encouragé, et finalement, elle l'a marié. Ça n'a pas été long après le mariage, la Bible nous dit de ne pas se mettre sous un joug étrangers avec des infidèles, que ce soit dans le Seigneur. Mais malheureusement, elle a suivi un peu la pression autour d'elle. Ça n'a pas été long qu'après ça, il a dit, « Oh! » Il dit, « Lire la Bible, finalement, ça ne m'intéresse pas tellement que ça. » Puis aller à l'église, « Oh! » Je pense que c'était une erreur de te dire ça, mais je préférais qu'on fasse d'autres choses. Puis là, il a commencé à l'initier à toutes sortes de plaisirs sur cette terre, à toutes les aventures qu'il faisait. Il a commencé à l'amener avec elle. Puis ils ont commencé à vivre comme si Dieu n'existait pas. Puis à un moment donné, voyant les gens autour d'elle qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui avaient quand même des vies familiales bien solides, qui avaient toutes sortes de choses qu'elle, elle n'avait même pas expérimentées en tant que chrétienne, à un moment donné, elle a dit, « Mais la foi, ça ne me sert à rien. » Puis là, elle s'est détournée de Dieu, puis elle s'est détournée de sa relation avec le Seigneur.
Elle a abandonné le seul vrai Dieu. Puis plus ça allait, plus cette joie-là, puis plus cette vertu de vie-là, puis plus les éléments qui avaient beaucoup plu à Mark Twain sont disparus de sa vie. Puis là, à un moment donné, il la voyait, elle était de plus en plus malheureuse. Puis il dit, tu sais, il dit, je pense que ce serait bon pour toi que tu reviennes à la Bible. Il dit, je pense que ce serait bon pour toi que tu retournes à l'Église. Puis elle a répondu, elle dit, je n'ai plus de foi et ces choses-là ne m'intéressent plus. Puis Dieu connaît son cœur, puis connaît la réalité de sa foi. Mais dans cet exemple-là, c'est encore un avertissement pour nous. Prenez garde, frère, ça peut arriver que notre cœur soit affecté, que notre cœur soit changé, que notre cœur soit transformé au point qu'on se détourne du seul vrai Dieu. Et pour Asaph, il avait fait cette erreur-là de regarder à l'homme, de regarder le succès, de regarder le bonheur temporaire sur cette terre. Momentanément, Asaph avait fait l'erreur de remettre en question sa purification, remettre en question ses décisions spirituelles, sa consécration à Dieu. Les gens autour de lui ne semblaient pas l'encourager. À un moment donné, il était en train de faire des choix-là, mais ce qui est encourageant dans ce passage des Écritures, c'est que Dieu est bon envers ses enfants. Même Asaph l'a admis au début comme résumé de ce qu'il a expérimenté. Oui, Dieu est bon. Quand moi, je suis infidèle, lui, il est demeuré fidèle. Lui, il a continué à travailler dans ma vie. Il a continué à m'attirer. Il a continué à agir. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et Dieu, dans sa bonté, va révéler aux croyants qui le cherchent sincèrement, va révéler la vraie perspective de la vie ici-bas, sur cette terre. Et Dieu a révélé à Asaph la vérité sur l'avenir des méchants. La vérité sur l'avenir de ceux qui ne le connaissent pas. La réalité de leur damnation à venir. Puis c'est triste, on se réjouit pas de cela. Mais la réalité est le fait qu'ils sont sur une voie large qui mène à la perdition. En face de l'éternité, frères et sœurs, on n'a rien à envier de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Regardez au verset 16. Asaph dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, essayant de considérer les choses juste par moi-même. » Puis là, il dit, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Il a continué à aller dans la maison de Dieu. Il a continué à côtoyer la parole de Dieu. Il a continué à côtoyer les enfants de Dieu. Hein, il est retourné au temple. J'aimerais vous dire, dans des temps de difficulté, dans des temps qui sont pénibles dans notre vie, il ne faut pas abandonner l'Église. Il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Il ne faut pas abandonner les chrétiens. Et ça a été difficile jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Jusque-là, j'ai regardé le sort temporel des méchants. Le sort sur cette terre, Dieu me révélait le sort final de ces gens-là qui ne le connaissent pas. Oui, verset 18, tu les places sur des voies glissantes. Et tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, je ne réfléchissais pas convenablement. Cependant, verset 23, je suis toujours avec toi, tu es bon, tu m'as relevé, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Maintenant, j'ai la perspective de l'éternité. Maintenant, je vois ton royaume à venir. Quel autre ai-je au ciel que toi? Verset 25. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, c'est difficile. Dieu sera toujours le rocher, ce rocher inébranlable, ce rocher éternel de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Là, Asaph a changé de perspective. Là, Asaph a réaligné le tir de sa vie. Il a compris ce que le Seigneur avait de réservé pour les gens qui ne le connaissaient pas. Salomon a dit à ses fils en face de la tentation, il a dit, « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. » Dans Proverbe chapitre 2, il dit, « Ne te laisse pas séduire par eux. » Proverbe chapitre 1, « Ne te laisse pas séduire par eux et ne va pas avec eux. » Continuellement, il leur parle de ça, mais il dit, « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La langue des méchants s'éteint. » C'est l'image de la vie qui va venir qu'à terminer un jour pour ces gens-là. De considérer ces réalités-là. Ils vont mourir et leur bonheur et leur espérance vont disparaître. Et pour l'éternité, ils vont être en face de la réalité de leur choix spirituel. Et c'est eux, au contraire, envers lesquels on devrait avoir compassion, on devrait avoir de la tristesse parce qu'ils ont cette part-là qui s'en vient dans l'éternité. Nous, sur cette terre, on n'est que dans une vapeur. Et nos difficultés ne durent qu'un instant, la Bible nous dit. Comme un songe qui passe, après ça, on va rentrer dans la gloire de Dieu. Mais eux, la réalité, c'est qu'ils s'en vont dans une éternité sans Dieu. Quelqu'un a dit un jour, le seul enfer que le chrétien peut connaître se trouve ici-bas sur la terre. Et le seul ciel que les inconvertis peuvent connaître se trouve ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas de félicité pour le méchant. Il n'y en aura pas de paix pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus, Proverbe chapitre 13 au verset 20, nous dit, « Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal lorsqu'on est séduit et qu'on commence à se tenir avec eux, puis ce sont nos amis intimes. Pourquoi? Parce que le malheur poursuit ceux qui pêchent et va le rattraper dans l'éternité. Là, il va subir sa pleine condamnation. Et Jésus dit, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » La vie du croyant, la félicité de l'enfant de Dieu pour l'éternité, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et s'il meurt sans Christ, cette colère-là va amener la condamnation de Dieu sur sa vie. Frères et sœurs, plus on regarde par la foi les gens autour de nous avec les lunettes de la révélation de Dieu, moins nous sommes trompés dans notre cœur, moins nous remettons en question nos décisions spirituelles, moins nous sommes affectés dans notre consécration à Dieu et moins nous risquons de nous détourner du Seigneur. Et Paul avait dit au jeune Timothée, écoute, réalise que les hommes méchants et imposteurs vont toujours être méchants et même ça va s'empirer. Ils vont séduire les autres, ils vont se laisser séduire eux-mêmes, ils vont faire des choses incroyables et peut-être que ça va être les grands de cette terre, peut-être que ça va être les célébrités et les personnes les plus connues. Et le dit Timothée, la victoire est possible. Il le dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Demeure dans la foi, demeure dans la parole de Dieu et continue à marcher dans les voies du Seigneur malgré les situations que tu peux expérimenter dans ta vie. Je dois confesser quelque chose ce matin. J'ai une pratique un peu étrange dans ma vie. À chaque année, lorsque c'est le temps de sortir les chroniques nécrologiques des grands de ce monde, c'est une publication annuelle, ça va passer dans les médias, tout ça. Puis là, ils vont démontrer toutes les personnes, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des célébrités quelconques, peut-être des personnes dans le gouvernement, des politiciens. Je prends toujours le temps pour regarder ces choses, puis considérer la vie de ces gens-là. C'est tous des gens que j'ai respectés souvent dans mon passé avant de connaître le Seigneur. Des personnes que je considérais heureuses sur cette terre, des personnes que j'appréciais, que j'aimais beaucoup. Mais j'aime ça, regarder ça pour me rappeler que ce sont des gens qui sont temporaires ici-bas sur la terre. Ils vont vieillir, ils vont mourir, et là je me pose toujours la question, où seront-ils pour l'éternité? Et ce que ça fait dans mon cœur, c'est que ça met l'éternité en perspective de la vie présente. Et ça me montre que l'éternité, c'est tellement plus important, que l'éternité, c'est tellement plus crucial et prioritaire. Puis quand je regarde ça,
ça me rappelle que peut-être que je ne serai jamais connu comme ces gens-là. Peut-être que je n'aurai jamais les finances que ces gens-là ont eues, mais j'ai une richesse et j'ai une connaissance de Dieu qui vaut beaucoup plus que ces personnes-là. Et comme le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, en face des décisions spirituelles, il a dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? » Hein, des Céline Dion, puis des acteurs, puis ces personnes-là qui sont multimillionnaires, qui sont connues par tous sur toute la planète Terre. Que servirait-il à ces gens-là de gagner tout le monde s'ils perdaient leur âme en face de l'éternité et de leurs décisions spirituelles? Alors que toute leur vie, l'Esprit de Dieu a cherché à les attirer à Jésus-Christ, a cherché à les attirer vers le salut de Dieu. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On quitte pour l'éternité, et une fois qu'on a quitté cette vie, c'est terminé. Après la mort vient le jugement. Ô frères et sœurs, il ne faut pas faire comme Asaph, dans nos temps de faiblesse, dans nos temps où peut-être on vit des choses intimes, douloureuses dans notre vie. Il ne faut pas regarder à l'homme. Il ne faut pas considérer ceux qui font les mauvais choix sur cette terre et les utiliser comme notre modèle pour qu'on puisse accomplir les choses de ce monde. Il ne faut pas regretter nos décisions spirituelles. Il ne faut pas regretter notre engagement dans les voies de Dieu. Bientôt, ça va faire 30 ans que je suis dans le ministère à temps plein. Puis des fois, je pense à les études que j'aurais pu faire pour un métier, puis d'autres vocations que j'aurais pu choisir. Puis c'est pas long que le Seigneur me ramène à ces réalités-là. Il ne faut pas regretter. Pourquoi? Parce que ce qu'on sème ici-bas, la Bible nous dit, on va en vivre les fruits pendant toute l'éternité. On va se tenir au tribunal de Christ, chacun de nous, pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait sur cette terre en tant que serviteur de Jésus-Christ. Et surtout, il faut se rappeler la réalité de l'éternité. La réalité de la damnation des gens autour de nous. Même s'ils ont tout le bonheur, même s'ils se livrent à tous les plaisirs, même s'ils ont le succès ici-bas dans le psaume 49, on présente le succès des méchants en contraste encore une fois avec les réalités spirituelles. Mais il faut se rappeler que s'ils n'ont pas Jésus-Christ et qu'ils meurent, Jean chapitre 8, versets 23 et 24, sans la foi en Jésus-Christ, qu'ils sont perdus pour toute l'éternité. Et ça nous amène à prier pour ces gens-là. Ça nous amène à avoir de la compassion. Et ça nous amène, lorsqu'on vit ce mal-être-là, à en sortir comme Asaph et à être victorieux dans ses voies. Oh, merci beaucoup pour votre temps que vous avez pris ce matin. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Prions les uns pour les autres, puis encourageons-nous mutuellement à continuer dans les voies du Seigneur.